Si tu n'es pas abonné, c'est le moment de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Bonsoir, chers abonnés, c'est votre serviteur Wael Officiel Business. On se retrouve aujourd'hui. C'est pour vous donner aujourd'hui un grand secret que divers ou plusieurs pronostiqueurs essaient de vous cacher. Mais aujourd'hui, moi, j'ai décidé de vous livrer ce secret-là. Vous allez pouvoir gagner sur les cross-cotes, sur les V1, les nuls, les matchs nuls, etc. etc. Parce que ces grands pronostiqueurs-là, comme Nimpazor, KingsBet, Lionel PCS, etc. etc., eux gagnent vraiment énormément d'argent. Aujourd'hui, c'est pour vous donner cette astuce-là. Donc, abonne-toi. Surtout, rejoins mon canal Telegram. N'oublie surtout pas de rejoindre mon canal Telegram. OK? Donc, allons-y. Voilà, les amis, nous allons partir ici sur Google. Parce qu'aujourd'hui, nous devons partir sur Google. Tout simplement. Voilà. Mais avant de partir sur Google, aujourd'hui, voici le match de Atlético face à Barcelone. Atlético face à Barcelone. Et plusieurs d'entre vous vont se poser cette question-là. Barcelone et Atlético, je dois prendre la victoire de qui? Parce que nous savons que Barcelone n'est pas vraiment très en forme ces temps-ci. Voilà. Donc, nous allons nous poser différentes questions sur qui doit gagner et qui va perdre. Ne vous inquiétez pas, nous allons partir sur Google. Nous allons partir sur Google. Nous allons cliquer sur le plus là. Et nous allons taper ici. Le site s'appelle BetWatch. OK? Nous allons taper BetWatch. Voilà. Nous sommes sur BetWatch. Voilà. Ici, BetWatch, vous avez la possibilité de voir les différents paris que les Européens font. Vous m'avez bien compris. Voilà. Vous avez la possibilité de voir ici les différents mises que les Européens font. OK? Nous tous, on sait que les Européens sont vraiment de grands fans de football. Donc, qui dit grands fans de football, ce sont des gens, il y a vraiment très longtemps qu'ils baignent vraiment dans ce milieu-là. Donc, si on doit vraiment regarder qui sont ceux qui sont les mieux placés pour vraiment connaître les différentes statistiques, mais la formation, ou soit peut-être... ou soit peut-être voir si vraiment l'équipe des équipes sont en forme ou pas, vraiment ces pays-là ou bien ces gens-là, on la maîtrise. OK? Donc ici, c'est déjà bénéfique pour nous parce que via les mises de ces différentes personnes-là, nous allons nous faire énormément d'argent parce que ces personnes-là, sans vous mentir, ils gagnent énormément d'argent et ils font des mises à ce moment. Donc ici, c'est ici la plupart de vos pronostiqueurs viennent chercher déjà, voir le pronostic et s'ils viennent chercher déjà le pronostic et faire leur mise. Voilà, tout simplement. Donc ici, nous allons essayer de voir. OK? Bon, ici, il n'y a pas de grand match, néanmoins, il n'y a pas de grand match. Mais je vais essayer de vous expliquer un peu comment ça se passe sur ce site-là. Voilà, nous allons prendre Portugal, Farmacio et Sporting, U23. Nous allons nous limiter là. La flèche que vous voyez, ça là, c'est que les cotes montent. Voilà, les cotes là montent. Voilà, les flèches que vous voyez en vert signifie que les cotes montent. Voilà. Maintenant, les flèches que vous voyez en rouge signifie que les cotes sont en baisse. OK, voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer ici sur Farmacio. OK, Farmacio. Et comme vous pouvez le constater, nous allons Farmacio. Bon, dommage, ils sont à la 75e minute. Et je vois que c'est Denis là. Non, voilà. On va cliquer sur InPlay. Voilà. Et on va cliquer sur Farmacio comme ça. Voilà. Parce que là, il y a les matchs. OK? Voilà. On va cliquer sur Farmacio. Voilà. Donc, voici les différents matchs de Farmacio. Je vais voir si je peux mettre ça en français pour vous. Dommage, je ne peux pas mettre ça en français. Pour que vous puissiez comprendre l'astuce en question. OK? Voilà. En jeu, nous allons cliquer sur Farmacio. Voilà. Donc ici, voici comment ça, on nous affiche. On nous dit ici que... Sur
Par exemple, voici les matchs OSS. Ça, c'est les V1, V2 nuls. OK. Ici, on nous voit ici que sur Sporting Lisbonne, puisque Sporting Lisbonne vient de marquer le troisième but. Ils étaient à 2-1, ils viennent de marquer le troisième but. Mais avant qu'ils ne marquent, vous avez vu ici que leur cote était à 1,25. Donc ici sur Sporting, nous avons 7456 paris. La somme de paris est de 7456 euros. Voilà, c'est victoire simple de Sporting, ok? Voilà. Maintenant, sur Farmacio, ici, nous avons eu 1283 paris, 1283 euros. Voilà, c'est-à-dire quand on totalise les paris qu'ils ont eu à faire, V1 de Farmacio, c'est 1283 euros. Ceux qui ont misé, c'est 13%. Maintenant, 77%, c'est V2. Il n'y a eu pas moins de 7653 euros de paris. Ok, voilà, avant qu'il ne marque, déjà il y avait le code de 1,25. Donc déjà ce sont des choses, déjà des statistiques déjà qui montrent que vous pouvez vous faire énormément d'argent sur les V1, V2. Ok, maintenant sur nul, vous voyez c'est 10%. Donc ici on voit 12%, 10%, 70%, 78%. Donc automatiquement vous devez savoir que l'équipe qui va mener est Sporting. Ok, maintenant il y a le over et under, c'est-à-dire moins plus. Donc ici nous avons under, nous avons over. Bon, over, je pense bien que c'est over qui est moins et under qui est plus. Ok, disons over 28%, nous avons 3664 euros de mise. Et maintenant under, nous avons 9000 euros de mise, 9335 euros de mise. C'est-à-dire quoi? Ils ont dit que au under, c'est-à-dire il y aura plus de 4,5 buts, les gars. Tu vois, ils ont misé pas moins de 9000 euros. Donc, c'est 72% des gens disent qu'il y aura plus de 5 buts dans le match. 72% des museurs, des parieurs disent qu'il y aura plus de 4,5 buts. Ça, c'est un de maintenant. Et over, voilà. C'est 29% des gens disent qu'il y aura moins de 4,5 buts. Donc, c'est pareil pour plus de 3,5 buts. Et moins de 3,5 buts, vous voyez, ok, il y a plus de 6,5 buts, moins de 5,5 buts, ok, voilà. Donc voici un peu, ok, voici un peu. Il y a le tennis, c'est pas une commande que sur le football. Il y a le tennis, il y a le basketball. Moi je me suis pas encore inscrit. Il y a le tennis, il y a le basketball, il y a le football. À vous maintenant de voir quoi, voilà. À vous vraiment de voir sur quoi vraiment miser. Ok, donc voici ici ce que vos paris font. Voilà, celle-ci vient de prendre leurs différents coupons et mises. Ok, donc ça, ce sont les matchs de l'avenir qui sont les matchs qui vont se jouer peut-être à 17h demain. Voilà, voilà. Donc n'oubliez surtout aussi d'utiliser le code promo 1IS. Vous allez bénéficier de 300% de bonus sur tout premier rechargement. Donc rejoignez-moi rapidement sur Telegram, mon lien est juste en description. Voilà, c'était juste un petit truc que je voulais partager avec vous. Donc, partez visiter ce site-là. Je pense bien qu'il y a de grosses surprises vraiment qui vous attendent là-bas. Donc, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était votre serviteur Wallo Officiel Business. Merci.